Bonjour tout le monde, ici Picapo Fixé pour un autre épisode de Final Fantasy VII Remake. Donc, il nous restait à faire. Dans l'épisode, on a fait le tournoi. Et là, il nous reste un round à faire. Je me rappelle bien. Vous m'avez impressionné. C'était donc pas un coup de chance tout à l'heure. Alors, vous êtes prêts pour la finale? Yup. Je compte vraiment sur vous pour gagner, hein. J'ai parié sur vous! On va se battre contre quoi, là? Mesdames et messieurs, voici le moment que vous attendiez avec impatience! Cette coupe Cornuo a été remplie de surprises et de rebondissements. Il ne nous reste qu'un seul match à partager tous ensemble! Nous aurions aimé, nous aussi, que ce tournoi dure plus longtemps. Cependant, comme vous le savez bien, malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. C'est pourquoi je vous demanderai de faire beaucoup de bruit pour fêter comme il se doit cette grande finale. Hey! Hey! D'un côté, deux jeunes débutants qui ont vaincu de redoutables vétérans et en beauté. Le couple qui nous a offert un spectacle des plus inattendus. Les poulains de Madame M. Je vous demande d'accueillir Cloud et Iris. Ouais, plus fort que ça, vous faites pas assez de bruit là. Allez, face à eux, ils ont remporté le tournoi 5 fois. Mais on compte plus les adversaires qu'ils ont démembrés. Au mieux, ils les envoient tous à l'hôpital. Ils font le ménage partout où ils passent de façon très musclée. De véritables machines à tuer. Les champions de Chocobo Sam. Je vous demande d'accueillir les tronçonneurs nettoyeurs. Yes. Oh, what the fuck? Des robots? Des armes de la Shinra. C'est permis, ça? Alors, laquelle des deux équipes remportera le million de guilds? Messieurs, dames, préparez-vous à vivre un moment exceptionnel. La finale de la Coupe Cornéo! Que le carnage commence! Fois de ça, on s'en pense. C'est bon, ça un petit peu. Ok. Tiens, tu peux t'en charger? Tu vas tenir le coup.
Mais c'est bien long sur Silence. Facile que les autres. Le vainqueur de la Coupe Corneo n'est autre que l'équipe de Cloud et Aeris. J'en ai de la peine pour toi. Eh bien, tu es plutôt serein, dis-moi. Je m'attendais à te voir exploser de colère. Même quand on prend toutes les précautions, un imprévu peut toujours arriver. C'est pour ça que j'aime les paris. Ta pièce, elle a deux faces identiques, n'est-ce pas? À plus. Et maintenant, il est temps d'aller récolter mon prix. Désolé, Madame M, mais pas tout à fait. Sur ordre de Don Corneo, il reste un dernier match à disputer. Non. Il faut remporter ce match pour pouvoir empocher le prix. Attends deux secondes, tu te fous de moi ou quoi? Allez dire ça à Don Corneo. Tiens. Maintenant, on va pouvoir aller sauver Tifa. Avant ça, il faut parler à Madame M. Elle doit te préparer une tenue, pas vrai? Oui. Je suis désolée de gâcher votre plaisir, mais c'est pas terminé. Vous allez devoir faire un autre combat. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce que vous avez trop mis l'ambiance dans l'arène. La façon dont vous vous êtes battu a amené les spectateurs à parier beaucoup d'argent sur vous. C'est pas le genre d'opportunité que Don Corneo laisse échapper. Autrement dit? Si vous voulez remporter le tournoi une bonne fois pour toutes, vous allez devoir affronter un dernier adversaire de son cru. C'est pas ce qui était prévu? C'est plutôt à moi de me plaindre! Quel sale avare, ce type! Cette espèce de sale enflure de merde, de saloperie de chiottes! Mais bon, on n'y peut rien. Dans ce quartier, c'est lui qui établit toutes les règles. Toujours est-il que si vous gagnez, qu'il le veuille ou non, il pourra pas tricher davantage. Il s'attirerait les foudres du public. Ça sera donc le dernier combat. C'est tout le mal que je vous souhaite. Je sais pas si je parle à elle. Oh my god. Oh, regardez un peu ce que vous avez fait. Allez, en route. Vous avez une grosse somme d'argent à me faire gagner. Ça fait longtemps que je travaille ici, mais c'est la première fois que je vois ça. En toute honnêteté, je trouve ça très excitant. Fait que ça va, c'est là, c'est notre dernier combat. Franchement, vous êtes trop fort. J'ai grave hâte de voir votre prochain combat. Vous êtes prêts à y aller? Paris ou pas, ça change rien pour moi. Tout ce que je souhaite, c'est de vous voir gagner maintenant. Je suis à fond avec vous. Cette coupe Corneo est-elle l'une des plus mouvementées? Qu'en dites-vous, messieurs, dames? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait fort dommage de terminer comme ça? C'est pourquoi, dans un élan de générosité, Don Corneo a décidé de vous offrir un match bonus! D'un côté, l'héros inattendu de la soirée. Le couple qui a fait souffler un vent de renouveau dans cette arène souterraine. Bon, bat ton poil. Cloud et Aeris. Charge le gars qui a parlé à la fille. Cloud, regarde par ici. Ils sont trop beaux, c'est pas possible. Vas-y, Cloud, t'es le meilleur. Hé, hey, Aeris.
Quant à leur adversaire, la terreur cachée au plus profond de l'arène. L'abomination enfouie dans les entrailles de la Terre, libérée rien que pour vous ce soir. C'est l'arme secrète personnelle de Don Corneo. C'est quoi? Veuillez maintenant accueillir la Maison Infernale. La quoi? Ok, non, c'est pas le gars. C'est une maison. C'est qu'une maison? Rien de plus? Elle ne semble pas très hospitalière. La mystérieuse maison du diable face au couple le plus miraculeux. Qui peut se vanter d'avoir assisté à un match aussi extraordinaire? Personne! C'est littéralement du jamais vu! Je parie qu'il restera à tout jamais gravé dans les annales! Une maison. Je vous conseille de ne pas cligner des yeux pour ne pas en rater une miette! Préparez-vous pour l'ultime combat! Que le carnage commence! Et voilà! Il a enfin commencé! Le match spécial de la Coupe Corneo! Pour faire face au couple de choc qui a réussi à vaincre de nombreux adversaires, pas soigné, fuck. Nous vous présentons une maison démoniaque qui massacre tout sur son passage. Oh. J'ai presque pu qui donc va réussir à remporter la victoire. Nous serons exploités. Ça a été impitoyablement mis KO. Merde. On peut entendre les huées de ses nombreux fans retentir dans l'arène. C'est tout. Je peux se faire une évocation. La jolie Aerys semble beaucoup souffrir. Ses fans dans les gradins retiennent leur respiration en la regardant lutter. Amuse-toi bien. Mais quelle beauté froide et irrésistible! Cette reine de la classe est prête à tout faire geler dans un grand tourbillon de gire! C'est assez intense. Ce regard perçant sur la glace, confond. Je suis carrément transi d'amour. Avez-vous bien vu ça? D'adorables peluches se sont désattendues du ciel comme par miracle! Maison bizarre. Les combattants ont l'air de vouloir s'apporter choquer. Ils veulent certainement cacher leurs intentions. Que dis-je? On peut même parler de cacher son intérieur dans le cas présent. Incroyable! La maison infernale absorbe désormais la magie! Quel système d'énergie révolutionnaire! Voilà le futur du logement écologique pour Midgard! Oh, j'ai fait de quoi? Attends. Eh bien, ça s'est vite terminé. Non, pas tout à fait. Holy fuck. C'est quoi cette affaire-là? Attention! Oh shit! Notre chaleur logis
laisser un manoir hanté frais dévorer les humains. Cette épouvantable maison a finalement révélé sa véritable nature. Que vont bien pouvoir faire Cloud et Iris? Cloud a fini par mordre la poussière. Ce combat incroyable promet d'être de plus en plus difficile. Voilà qu'il se met à pleuvoir des chaises sur notre couple et trouver. Oh mon dieu, c'est quoi cette bosse là? Voilà le type de précipitation parfaite pour ce combat plein de surprises. Alors comment vont-ils les péter? C'est un travail d'équipe. Laisse-moi faire. Des meubles tombent du ciel sans répit, comme pour tester le lien qui unit nos deux gentils tourterons. C'est d'une violence tellement insoutenable qu'il n'y aura plus rien à sauver lorsque ce sera fini. Des bulles sautent par les fenêtres. Elles sont plus mignonnes, je voudrais les serrer dans ses bras. Allez, t'as bien, Nasty. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai évité ça. Allez, ensemble. À mon tour, c'est ça? Le combat qui se livre sous nos yeux devient de plus en plus intense. Surtout, vous avisez pas de détourner le regard, mais une seconde. Oh. Voilà qui doit faire mal. Même Cloud n'a rien pu faire pour éviter cette puissante attaque. La défense impénétrable de la maison infernale donne du fil à retordre à nos deux héros. Tu veux que je reste à l'écart? Oh oh. Pauvre Cloud et Iris, ils ont dû méchamment souffrir là. Et signé la maison infernale!
peux faire mon transcendance. Il est encore impossible de prédire l'issue de ce combat. C'est clairement pas l'élément avec lequel il fallait attaquer. Avez-vous vu la violence de ce choc? Rien n'aurait pu l'empêcher, c'est sûr! À toi de jouer. C'est un travail d'équipe. Ça va. Chers spectateurs, est-ce que vous êtes satisfaits par ce palpitant combat ? Peut-il bien se passer à l'intérieur? Ce suspense est littéralement insoutenable! Quel cadeau involontaire! La maison infernale a l'air de s'en réjouir! Ok, je sais pas ce que j'en ai à faire, mais... À toi de jouer. Ils sont ressortis vivants! En revanche, ils semblent avoir beaucoup souffert à l'intérieur. Garde ton sang-froid. J'arrive! Cette attaque va forcément laisser de grosses séquelles. À mon tour, c'est ça? T'inquiète pas, je suis là. Ça va, ton côté? On dirait bien qu'ils veulent faire le parti. Pourquoi je perds les bras aussi? C'est loin d'être fini. Ce combat tient vraiment de ses promesses. Mais quel talent! Il vient juste de dissiper la barrière avec brio. Quelle chance d'avoir une charmante partenaire sur laquelle compter. Moi aussi, j'ai manqué de voir comme ça. Allez, ensemble. À mon tour, c'est ça. Pauvre Cloud et Aeris, ils ont dû méchamment souffrir. Quelle
admirable geste de soutien de la part de la sous-service. Une véritable bonne présence. Ça redonne non seulement des forces, mais en plus, ça met du bon au cœur. Cette attaque dévastatrice est signée la Maison Infernale. Trop tard pour les regrets. Changement de stratégie. Ça va. J'ai un peu la femme. Chris, ça va de ton côté? Allez! Asti. La force s'est refermée. Quelqu'un a-t-il jamais réussi à ressortir vivant de cette maison? Ah! Cette attaque va forcément laisser de grosses séquelles! Superficie de l'arène. Attention, on va le perdre. Faudrait dire, au ciel perdu. Je te laisse faire. Avec ça, ça n'a pas l'air de faire autant de dégâts qu'il le fait. En effet, c'est vraiment pété son affaire à cette petite maison là. Peut-être que je me soignerai. Enveloppe-nous de ton souffle bienfaisant. C'est un travail épique. Quel admirable geste de soutien de la part de la douce Aeris. Une véritable voisine. Ça va. Souffle dans la mer. Ça redonne non seulement des forces, mais en plus, ça met du bon au cœur. Ça va? Wow. C'est
tout aussi irritant pour nous qui regardons. Vieta est certaine. La gentille Aéris vient de s'effondrer. Oh, pourquoi j'ai fait ça? Maison infernale.
maintenant, Cloud et Aerith ont clairement l'avantage. Toutefois, la coupe d'Ordeo est toujours l'occasion d'incroyables retournements de situation. Va-t-on en voir un? C'est vrai que quand on va entre des humains et une maison, il faut être fou pour en manquer ne serait-ce qu'une demi-seconde. Garde ton sang-froid. Je vais faire tout mon possible. T'as les petits poisons sur moi. Oh non. On dirait bien qu'ils veulent faire un chasse. Je compte sur toi. Je peux te laisser faire. Quel admirable geste de soutien de la part de la douce Aerith. Oh non. Ça redonne non seulement des forces, mais en plus, ça le dit pour mon cœur. Ça n'a pas l'air de faire autant de dégâts qu'ils le veulent. Je vais m'en occuper. Quel est tel élément? C'est moi qui joue mal d'abord. Quand il est feu, je fais glace, puis quand il est glace, je fais feu. Badabadaboum. Okay, ça c'était vraiment mon premier gros boss que j'ai eu de la misère là. Victoire!
ce jeune homme. Ce n'est pas fréquent que quelqu'un attire ton attention. Est-ce qu'il te plaît? Good job. Ok, oui. J'ai-tu fait un level up avec ça? J'ai une peluche, mais je sais pas c'est quoi. Peluche... Badabadaboum. Je pense que je vais faire des level up, mais on va checker quand même. Non, c'est ça. Que je devrais mettre un rite. Je vais mettre auto-soin comme ça, elle va me soigner. Puis lui, je vais y mettre. Protection. Ok. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. Ah, vous voilà! Je vous cherchais. Madame M m'a demandé de vous transmettre un message de sa part. Vous vous êtes bien battu, venez à ma boutique quand vous serez prêt. Dites, au fait, ça vous intéresserait pas de continuer de faire quelques combats à l'occasion? Les événements comme la Coupe Cornéo ne sont pas fréquents, mais on organise toujours quelque chose dans l'arène. Le Colisée de Cornéo est un lieu où se livrent jour et nuit des combats acharnés. Vous pouvez participer, rendez-vous au sous-sol et parler au portier de l'arène. Je vais acheter des... Il y avait un petit choc. Les queues de phénix, t'en as-tu? On ne propose pas que des médicaments ici. There you go. Merci. Ça va faire le job.
voilà enfin. Tout est prêt pour habiller Aerys correctement. Mais avant ça, je voudrais te parler de quelque chose. Il paraît que c'est toi, le fameux mercenaire qui résout les problèmes. D'après les rumeurs que j'ai entendues, tu as beaucoup œuvré au bidonville du secteur 5. C'est le travail qui donne de la valeur aux gens. Ne dit-on pas que le destin sourit aux plus laborieux ? Les efforts faits pour aider autrui finissent toujours par être récompensés à leur juste valeur. Je vais préparer une robe des plus somptueuses pour Aerys. Attends un peu de voir le résultat. Enfin bref, c'est tout ce que j'avais à dire. Je ne fais que vous prêter cette robe, alors pas question de quitter le quartier avec. Vous êtes prêts ? Oh, alors, on a des doutes ? Si vous avez encore des affaires à régler, je vous conseille plutôt de faire vite. Séparation temporaire. Je pense pas qu'il y a des kites. Non. Ok, on a tout fait. Let's go. Je ne fais que vous prêter cette robe. Alors pas question de quitter le quartier avec. Je peux enfin m'occuper d'Aerys. Très bien. Dans ce cas, je vais me mettre immédiatement au travail. Mais sache qu'une femme met plus de temps à se préparer que peut l'imaginer un homme. Voyons, voyons. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour t'occuper ? Si tu voyais la tête que tu tires actuellement, quel dommage que tu saches pas comment t'amuser dans un quartier comme celui-ci. Je m'en fiche. Pour quelqu'un de ton genre, mieux vaut s'occuper d'activités physiques. Tiens, je crois que j'ai une idée. Tes talents de mercenaire, tu pourrais en faire profiter les gens de Wall Market, par exemple. Justement, voici une liste de boulots que je peux te proposer. Avec ces mains que j'ai massées, je suis sûre que tu n'auras aucun mal à t'occuper de tout ça. Revenons à nos moutons. Je te prie de me suivre, Aerys. J'ai vraiment hâte de voir quel genre de robe je vais porter. S'il s'agissait que de la robe encore, on va devoir tout revoir. Ce maquillage d'amateur, ta coiffure mal ajustée et tout le reste. Tu vas être transformée, ma petite. Waouh ! Bon, alors on se revoit plus tard, Cloud. Pas question de regarder avant que ça soit fini. Ok. Les cuisses en feu, what the fuck? Le prix du vol. Séparation temporaire. Comme 3 side quests. Les cuisses en feu. Bon, on fait des side quests, ça va. Je t'attendais, Cloud. Bienvenue dans ma salle de muscu. Le mec est fake. Juju, coach sportif. Si tu as un peu de temps et envie de t'amuser, j'ai un défi pour toi. Que dirais-tu d'affronter un de nos membres ? T'es sérieux, Juju ? Cette demi-portion, je vais le réduire en miettes. Il a aucune chance. Tu devrais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. D'accord, Cloud ? Viens me parler quand tu seras prêt pour le défi. Ok. Ça y est, tu es prêt pour le défi? Duel de squat débutant, the fuck.
T'es venu te mesurer à moi? T'as du courage pour te frotter à mes muscles. Faudra pas venir pleurer après. Demi-portion. Ok, ok, ça suffit. Vous allez vous affronter au squat. C'est comme ça qu'on mesure notre force par ici. Allez, c'est parti! Tu vas pleurer ta mère! Règle de squat. Pour gagner, il suffit d'effectuer plus de squats que votre adversaire en suivant les indications données par les icônes qui disparaîtront au cours de celui-ci, au cours du duel. À vous alors de bien regarder les mouvements de Cloud pour deviner quelle touche appuyer. Toute égalité à la fin du temps est partie se reconstruire comme une défaite pour vous. Tu t'en sors très bien. Oh, magnifique. Continue comme ça. Sublime posture. Eh, pas mal du tout. Continue comme ça. Tu t'en sors très bien. Oh, magnifique. Allez, encore une fois. Sublime posture. Eh, pas mal du tout. Continue comme ça. Tu t'en sors très bien. Magnifique. Sublime posture. Continue comme ça. Tu t'en sors très bien. Eh, pas mal du tout. Continue comme ça. Tu t'en sors très bien. Oh, magnifique. Sublime posture. Ok. C'était couru d'avance. Yeah. Non ! Pourquoi ? Comment une demi-portion telle que toi peut gagner face à un champion comme moi ? Y'a pas que la taille des muscles qui compte, mon vieux. Ça vous apprendra à ne plus juger les gens sur leur apparence. Vous avez perdu parce que vous étiez trop sûr de vous. Que ça vous serve de leçon. Merci d'avoir aidé les membres de mon club à découvrir leurs faiblesses. Tu m'as rendu un fier service. Cloud, à partir d'aujourd'hui, nous te considérons comme l'un des nôtres. N'hésite surtout pas à passer quand tu auras envie de transpirer un peu. Il faut entretenir tes muscles et ton mental régulièrement. Yeah! What the fudge? Squat niveau amateur disponible. On va essayer. N'hésite pas à aller voir Jay ou Ronnie quand tu voudras te refaire un petit défi. Tu veux me défier? Ok, approche! Amateur. Un matériau chance augmentée, une ceinture de champion. J'ai envie d'avoir la ceinture de champion, par exemple. Je vais te ratatiner! Tu t'en sors très bien. Oh, magnifique. Continue comme ça. Merde. Eh, pas mal du tout. Oh, fantastique. J'aime vous voir transpirer. Tu t'en sors très bien. Sublime posture. Continue comme ça. Je suis sûr que vous pouvez le faire. Tu t'en sors très bien. Eh, pas mal du tout. Sublime posture. Ah, vous vous débrouillez vraiment bien. Oh, magnifique. Tu t'en sors très bien. Eh, pas mal du tout. Allez, on se motive un peu plus, là. Continue comme ça. Tu t'en sors très bien. Sublime posture. Oui, continuez comme ça. Oh, magnifique. Eh, pas mal du tout. Tu t'en sors très bien. Sublime posture. Non, je suis sûr que vous pouvez le faire. Continue comme ça. Eh, pas mal du tout. Oh, magnifique. Allez, on se motive un peu plus. Okay. Je suis sûr que tu peux faire mieux. Non, je vais peut-être pas l'avoir, là. C'est tout ce que tu sais faire. Ah, si, je suis une gueule. Oh, j'ai peur. J'ai failli pas l'avoir. Non. Un vrai jeu d'enfant. J'ai scrappé la fin terriblement. Tu m'as vraiment battu. Tu dois avoir tes muscles en béton. Je suis presque jaloux de vous voir vous amuser sans moi.
Cloud, ça te dirait d'en faire un contre moi? Que j'ai quoi? J'ai une matériau? Matériau chance, c'est ça? Chance augmentée. Augmente la chance de 10%. Pourquoi pas? Que dirais-tu d'un petit défi? Ça va être dur. Allez, c'est parti! Faut lui montrer ce que tu sais faire! Oh! Je suis impressionné! La peur! Allez! Et un! Et deux! Mais comment t'as réussi à dire? Et deux! Un vrai match de champion! J'entends tes muscles se contracter avec Carter. Mais comment t'as réussi à tenir? Un vrai match de champion. Pour lui montrer ce que tu sais faire. Oh là là, là. Qui va gagner? Je suis impressionné. Le suspense est à son comble. Mais comment t'as réussi à tenir? Vas-y, montre-lui qui est le patron, Juju. Pour lui montrer ce que tu sais faire. Un vrai match de champion. Allez, Juju, on est tous avec toi. Mais comment t'as réussi à tenir? La perfection. Je suis impressionné. Oh, oui. La victoire des muscles sur la perfection. Je suis impressionné. Oh là là là. Qui m'a aidé? Comment t'as réussi? Le suspense est à son comble. Est-ce que tu... Oh. Allez. Et un. Je suis impressionné. La perfection. Faut lui montrer ce que tu... Une vraie. Mais comment t'as réussi? Vas-y, montre-lui qui est le patron, Juju. Mais comment t'as réussi? La perfection. Tabarnak, hein. Tes muscles se contracter avec un vrai marionnage. Je suis impressionné. Mais comment t'as réussi? Une vraie. Allez, Juju, on est tous avec toi. Hey my god, j'étais à la fin, là. Je pense avoir chaud pour de vrai. J'ai même pas forcé. Yeah. Je pensais pas que tu réussirais à me battre comme ça. Tu es encore plus fort que je croyais. Les gars, il va falloir commencer à s'entraîner sérieusement. La prochaine fois, on perdra pas. Oui, chef. La joie du soulagement, elle est plus très loin. Bon, mais je pense que j'ai tout fait, ça. Roi des muscles. Trophée obtenu. J'ai une ceinture. C'est quoi une ceinture de champion? Où est-ce que c'est ça? C'est ça ici. Une ceinture destinée aux champions de duel de force musculaire. Augmente les PV maximum de 10%, augmente la force de 5%. Ça va être parfait pour. Si je mets ça, là, ça donne quoi? Ça augmente la force de 10%.